webinar de BNC Club. The BNC Club is from London. Someone needs to be unmuted. I don't know who. Je recommence. 3, 2, 1. C'est la NASA. Le lancement du meeting. Good afternoon to all. This is the webinar from the BNC Club. We are here today to welcome the artist Damien de Rubé, Adrien de Montferrand, the gallery, who is launching his first exhibition of Damien de Rubé in London, and Guy Boyer, the famous critic, art critic, and chief of Renaissance des Arts in France. So now we are going to start the webinar. Everybody is going to be muted. And if you have a question, you can either go to the chat box and ask your question, or unmute yourself, and then we will be able to answer the questions all along the webinar. Now this is going to go to French, and because I can see that everybody in the webinar is talking French. So bonjour à tout le monde, encore une fois. Donc je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans le webinar du BNC Club. Nous avons décidé de terminer cette série avec Damien de Rubé, qui vient d'inaugurer une exposition, son exposition perso à la galerie Adrien de Montferrand à Londres. Et c'est sa première exposition avec cette galerie. Donc je suis très heureuse de pouvoir faire ce projet. Damien, et en particulier, d'avoir la chance d'avoir Guy Boyer, qui est rédacteur en chef de Renaissance des Arts, grand critique d'art et grand commissaire d'exposition, pour animer ce talk aujourd'hui. Damien, vous êtes né en 1972 en France, vous êtes peintre, vous travaillez principalement avec des découpes de papier, des gravures sur bois et surtout de l'huile sur toile. Vous avez fait l'école des beaux-arts de Saint-Étienne. Et à un moment donné, on va reparler plus tard, vous avez rencontré Fabrice Ergotte, qui vous a beaucoup marqué comme professeur, parce qu'il était professeur à l'école des beaux-arts de Saint-Étienne et directeur du musée de Strasbourg. Et puis nous allons aussi montrer à un moment donné dans ce webinar et en live l'installation d'œuvres qui sont à la galerie de Montferrand à Londres. Guy, je vous laisse commencer cette discussion. Je peux faire, Damien, un partage d'écran pour montrer toutes les œuvres que vous m'avez envoyées. Et comme ça, on peut commencer la discussion avec Guy. Alors, voilà. Ça, c'est le moment. Et donc... Anne-Pierre, simplement, il y a un énorme larcen et il y a plusieurs personnes qui ont signalé. Je mute tout le monde et je ne sais pas qui n'est pas mute. Peut-être faudrait-il que nous activions le micro seulement quand on parle. Je ne sais pas. Oui, d'accord. OK. Oui. Donc je vais mettre voilà. Et Nicolas, pourtant, il est sur. Ah oui. C'est mieux là, comme ça. C'est mieux, oui. Oui, d'accord. Ah oui, ça marche. Oui, oui. Guy et Damien, vous pouvez commencer votre conversation. Alors, moi, j'aimerais commencer d'abord par une question concernant les sujets traités par Damien et même la manière de travailler lorsqu'il peint, lorsqu'il grave, où il y a une part très mélancolique et très inspirée par les maîtres anciens. Est-ce qu'il peut nous expliquer, lui, son lien avec l'histoire de l'art, avec des artistes comme Dürer quand on parle de mélancolie, comme Goya lorsqu'on parle des noirs?
Est-ce qu'il peut nous dire d'où ça vient? Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une vraie connaissance et une sorte d'hommage à l'art ancien qu'il rend dans ses travaux? Alors, bonjour à tout le monde d'abord. Et, ben, mon rapport à l'histoire de l'art, c'est le rapport à un artiste qui a commencé, qui a découvert l'art très tard. J'ai découvert ça en voyant une tapisserie de Guernica, de Picasso. J'avais 19 ans, donc j'étais un peu en retard. Et l'impression qu'on m'avait caché un monde, et du coup, je suis allé visiter là où j'habitais à l'époque, à Lyon. Et puis, de plus en plus, et puis je suis rentré aux Beaux-Arts. Et de ce moment-là, je suis allé visiter le maximum de musées en permanence. Et en cours d'études, je suis parti étudier à Karlsruhe, dans le sud de l'Allemagne. Et là, j'ai découvert tout l'art germanique, puisque j'allais dans les musées de Stuttgart, Francfort, Karlsruhe, bien sûr. Je suis allé à Berlin, je suis allé à Cologne, etc. Et je voyais aussi bien l'art ancien. Je comprenais les liens entre eux, par exemple, lorsque vous allez au Städel et que vous voyez au Städel ou ailleurs, dans tous les musées de Francfort, vous passez d'un Baselitz à un maître rénan de sculpteur sur bois avec des bois colorés, du tilleul, comment il est sculpté, etc. Vous avez comme professeur aussi à Karlsruhe Stéphane Balkenhol. Vous voyez qu'il y a un lien ininterrompu dans l'histoire de l'art comme ça que je ne percevais pas dans mes études aux Beaux-Arts de Saint-Étienne et en général en visitant en France, quoi. Qu'est-ce qui vous a amené à Karlsruhe? Parce que je me suis toujours demandé l'origine de ce goût pour l'Allemagne, pour cette espèce de Sehnsucht allemande, enfin cette nostalgie qui sourd dans tous vos travaux. Vous parliez allemand, vous aviez de la famille, je ne sais pas la raison. Alors ça va être une grosse déception pour tout le monde. C'est lié à... au fait que je n'avais pas bu mon café ce matin-là, quoi. C'est vraiment un truc comme ça. J'étais étudiant en troisième année aux Beaux-Arts. Je suis monté à l'école tôt le matin et je n'avais pas bu mon café. Je suis tombé sur ma meilleure amie qui m'a dit « Damien, je pars en Allemagne, tu viens avec moi ?» J'ai dit oui. Elle m'a dit « Viens au secrétariat, il faut signer un papier, ça s'appelle Erasmus. » J'ai dit « Allons-y. » Et une semaine après, on était dans le train, on partait pour l'Allemagne. J'avais un peu étudié l'allemand au collège et au lycée, mais j'en voyais absolument pas l'intérêt. J'avais quelques notions du coup. Et puis arrivé à Karlsruhe, en plus, on a découvert qu'on parle des dialectes et pas le haut allemand forcément. Donc voilà. Mais toujours est-il que je me suis accroché, j'ai voulu apprendre. Et puis j'ai fait une espèce de crise de germanophilie, ce qui fait que je me mettais à lire. À aimer en fait tout ce que je voyais, à trouver tout extraordinaire, comme si c'était pas comme dans tous les pays où il y a des gens bien, des gens moins bien, des cons, des gens sympas. Et puis l'art me fascinait complètement, quoi. Parce que j'arrivais d'une école où on nous disait soit qu'on ne pouvait plus peindre. Ça c'est Saint-Étienne, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc une partie des professeurs nous disait qu'on ne pouvait plus peindre et l'autre partie pensait qu'on devait peindre comme Balthus. Et moi, j'adore Balthus, mais nous, on était plutôt des enfants d'ouvriers complètement incultes. Comment aurait-on pu peindre comme un aristocrate polonais ami de Rilke, quoi? Il y avait des fossés, quoi. Et enfin, c'est de toute manière, on n'avait pas en nous la possibilité de faire ça, quoi. Il fallait. Et est-ce que cette germanophilie existe encore aujourd'hui? Ben moi, j'ai vécu 10 ans à Berlin après. Je suis revenu de Berlin il y a 8 ou 9 ans. J'ai plein d'amis encore là-bas. Je les appelle parfois quand ça me manque, quand j'éprouve le besoin de parler allemand ou des choses comme ça. Et puis oui, j'ai une germanophilie qui est toujours là. L'art allemand me parle beaucoup plus. Je me sens assez seul en France au niveau de la peinture, quoi, alors qu'en Allemagne, j'ai plein d'amis, de gens que je connais ou de gens avec qui j'ai eu des discussions, qui sont certains très connus, d'autres beaucoup moins, mais qui sont... Voilà, Karlsruhe, c'est une école aussi qui a donné beaucoup de d'artistes qui sont mis à sortir de plus en plus, hein, dans des
des degrés très différents et dans des styles très différents. Hein. Ça va de Hansel Riley à Marcin Tokarski, qui est un artiste polonais. Il y en a plein, en fait. Mais aussi, simplement, quand je vois, bien sûr, les Baslitz, Lupertz, Immendorf, etc., mais aussi le fait qu'en Allemagne, tous les 10 ans, il y a une nouvelle vague qui arrive et qui se nourrit de c'est comme un terreau fertile, quoi. Vous avez eu ça, les Immendorf, Baslitz. Bien sûr. Et même avant, on pourrait revenir jusqu'à Beckmann. Bien sûr. Oui, mais moi, je parle d'après-guerre, parce qu'avant, effectivement, il y avait... Avant, on était la France et l'Allemagne étaient en concurrence quoi, avec les fauves et les expressionnistes, etc. Dada, il y avait des mouvements parallèles quoi, avec leur propre marquage. Moi, je préfère le dada berlinois que le dada français, par exemple. Ouais. Mais ensuite, vous avez eu les nouveaux fauves, vous avez eu les Kippenberger, puis toute cette génération-là. Et puis ensuite, ça continue. Jonathan Mese, André Boutsa. Là, on parle plutôt de style, mais moi, je vous sens proche quand même de cet état d'esprit allemand, cette espèce de mélancolie dont on parle depuis Dürer et depuis donc quasiment le Moyen Âge pour l'Allemagne. Vous êtes de tempérament mélancolique, vous vous sentez un artiste mélancolique? J'espère que non, hein, mais non, moi, parce que moi j'ai alors il y a mélancolique, faut séparer la nostalgie de tout ça parce que j'ai aucune nostalgie, mais il y a en fait un amour d'une certaine peinture et d'une certaine construction, d'une certaine façon de penser. Mais il y a une part très noire quand même dans votre travail. Ouais, parce que en fait, là, j'aimerais bien si on pouvait voir la toute première aquarelle là, que j'ai faite. Moi, mon travail commence en été 2001, et deux mois après, on entre de plein pied dans le 21e siècle avec le 11 septembre 2001. Et en fait, on entre dans une époque où où tout est très sombre, quoi. On entre dans les fanatismes. Enfin, ils prennent le pouvoir, disons, avec d'un côté Al-Qaïda, Ben Laden, et de l'autre côté George W. Bush, qui est aussi un obscurantiste. Ils parlent de la même manière, finalement. Et les deux ont cette espèce de langage inversé. Les mots étaient très importants à ce moment-là dans mon travail, parce qu'il y avait cette idée du langage inversé, c'est-à-dire on dit qu'on apporte la paix et la démocratie, mais en fait on détruit un pays complet, on bombarde les gens alors qu'on leur apporte donc la démocratie. Tout était comme ça, quoi. C'était au nom de Dieu, on va vous anéantir finalement, quoi. Donc tout était, on était dans une perspective très très sombre. Vous vouliez dénoncer quelque chose ? Pardon ? Vous vouliez dénoncer quelque chose dans la peinture ? En fait, ce n'est pas dénoncer, parce que je pense que le peintre, c'est quelqu'un... Le chien qui hurle, profit, quoi. Oui, ça, c'est ça aussi une des toutes premières peintures. Les comment dire, moi, je voulais donner l'image de l'esprit du temps, en fait. Voilà, donc moi, je pense que le peintre, son rôle, c'est d'être un révélateur de la société dans laquelle on vit. Et révélation, pour les Anglais, revelation, c'est l'apocalypse, quoi. L'apocalypse, c'est pas une chose négative, c'est lever le voile pour voir ensuite ce qui est derrière. Et moi, je voulais faire comme ça, lever le voile sur la société de consommation, d'image, hyper capitaliste, etc., dans laquelle on vivait. Gratter le vernis, tout comme quand Warhol disait que si on grattait ses Marilyn ou ses Elizabeth Taylor, ses portraits, on ne trouvait que le néant et la vanité, quoi. Donc c'est un peu sur cette idée-là. Et donc c'était dénoncer, c'est-à-dire que moi je suis pas dans, j'ai pas envie de dire aux gens ça c'est bien et ça c'est pas bien, parce que là on est plus dans la propagande. Mais j'ai envie de montrer, voilà, ma vision du monde et ce que, selon moi, ce qui nous est caché, ce dans quoi, au milieu de quoi on vit.
en termes de source d'inspiration, quand on regarde une œuvre comme celle qu'on a sur l'écran avec ce profil hurlé par le chien, je pense à cet artiste allemand aussi qui a dénoncé le nazisme avec ses collages. Lichfield, oui. Mmh. Exactement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je préfère le dada berlinois au dada français. Moi, les Hertzfeld, les Raoul Haussmann, etc. C'est, pour moi, c'est ça. Georges Grosse, tout ça, c'est le dada qui m'intéresse le plus, quoi. Qui est plus dans le Dire, on a eu une discussion il y a pas, avec Didier Ottinger, on avait parlé de ça. Il avait écrit un texte là-dessus expliquant que pendant que les Allemands traitaient, après-guerre, que les Allemands prenaient avec des Fassbinder, avec des Basnitz, ils prenaient à bras le corps la société dans laquelle ils étaient nés, qui avait été portée par leur père. De même qu'en 14-18, les Autodix ont fait un rendu très réaliste de ce qu'était la guerre dans les tranchées. Nous, on avait de notre côté des artistes qui peignaient des fenêtres fermées, même si je l'adore, des artistes qui peignaient des choses plus jolies. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais plus décoratif. Et puis nous, par exemple, nous on a toujours pas eu, on a eu un film sur la guerre d'Algérie qui a été empêché d'être montré. Il y a eu quelques tentatives, ça, rien. Et ça, ça n'a pas été pris à bras le corps, quoi. Donc en France, on a plutôt tendance ensuite à cacher tout ça. Alors que les Allemands, ils y vont, quoi. Basnitz dit que les Allemands sont les peintres de la laideur, que Dürer était le peintre de la laideur. Alors que, effectivement, quand on met un autoportrait de Dürer et puis celui de Léonard de Vinci à côté, c'est quand même un truc très étrange, quoi. Donc, et puis dans les accords, etc. Alors maintenant, quand on dit que c'est très allemand mon travail, en 2009, j'avais eu une exposition personnelle dans un musée allemand à Sarrebruck, et le conservateur du musée, entendant parler de ça plutôt, me dit, mais pour moi ton travail est très français, de par le côté revendicatif donc, dont on parlait, mais également de par la composition classique, pyramidale. Là, c'est typique sur ce qu'on voit en ce moment à l'écran, là, Angel of Death. C'est une composition en pyramide, c'est vraiment la composition classique. C'est la révolution guidant le peuple. Et oui, ou n'importe quel tableau de Poussin. Ouais. Oui, voilà. Mais donc, il y a ça. Et puis, la palette, il m'a dit également, la palette est très française. Donc, oui. Ça, c'est quelque chose aussi que les conservateurs de musées allemands se frottent à la peinture quotidiennement, donc ils peuvent vous parler de ce genre de choses. Si je me mets à parler de ma palette, les gens ils vont dire ouah, c'est un peu ringard tout ça. Or, la peinture, c'est ça aussi, quoi. Donc effectivement, j'ai pas du tout une palette allemande, quoi. Les accords criards de couleurs, je tente, mais ça ne marche pas comme un Kirchner ou comme un... Alors, dans celui qu'on a maintenant à l'écran qui est à gauche, pourrait dire que c'est quasi... Ah, ben, elle a disparu, malheureusement. Mais c'était quasiment une palette espagnole. Quand Manet dit « je veux faire comme Zurbaran et jouer avec les marrons, les noirs, les œuvres sombres à la Goya », c'est ce qu'on voit souvent dans vos toiles ou bien dans les gravures que vous faites, qui sont comme des gravures sur bois. Comme les désastres de la guerre, comme les songes de Goya. On est dans les pinturas negras. Oui, alors est-ce qu'on pourrait la remettre? C'était World Downfall. C'est ça? Elle était juste avant. Oui, ouais, mais moi je ne peux pas y accéder. C'est... Voilà, ça y est, on y est. Celle-ci. C'est celle-là? Ah, non, pas celle-là, celle d'après. Oui, pardon, j'étais en train de tourner dans le. Ok, d'accord. Downfall. Je ne l'ai toujours pas. Voilà, celle de gauche. Voilà. On y est. Ah, de gauche, avec le singe suspendu. Exactement. Bah, justement, elle appartient au musée. Ah bah, on a encore tourné. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tant pis. Bah, je ne sais pas, on est reparti sur une autre page. C'est pas avant c'est là, hein. Non, c'est celle qui est juste avant, Anne-Pierre. Celle-là? Là, ça n'a pas bougé. Voilà. Moi, je sais pas. Elle est en train d'apparaître. Bon, donc ça, en fait c'est une peinture noire effectivement.
Alors, voilà. Voilà. Je crois qu'il y a un effectivement, moi, le moment où je bouge et le moment où ça arrive. Désolée. C'est pas grave. Ça va là ou pas? Oui, parfait. C'est très bien. Ok. Donc là, on est dans un esprit quand même très goyesque, quasiment. On a l'impression de voir les massacres de la guerre, enfin, les désastres ouais. de la guerre. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Ben, parmi les grands maîtres qui sont importants, hormis les Allemands, donc, moi, il y a Picasso, il y a Goya. Ouais. Et parce que, voilà, pour tout ce qu'on vient de raconter avant, la façon de traiter le monde qui nous entoure. Quoi, et comment se fait le passage d'un support à l'autre, de la peinture à la gravure? Est-ce que c'est au même moment? Est-ce que vous travaillez des séries? Moi, je ne suis jamais allé dans votre atelier, j'ai un peu honte, mais je ne vous ai jamais vu au travail. Et est-ce que ce sont des séries qui sont concomitantes ou au contraire successives? Oui, je travaille toujours au moins une dizaine de peintures en même temps. Quand ça n'avance pas sur une, je passe à la suivante. Et du coup, au bout d'un moment, je trouve la solution de la première dans la quatrième ou dans la cinquième. Et du coup, il y a des éléments que j'utilise jusqu'à épuisement. Et on peut du coup facilement… quand je fais une exposition, du coup, c'est assez simple de faire se répondre les tableaux. Et puis, on pourrait facilement identifier la période aussi, ou l'année plutôt, parce qu'on voit que tel motif est revenu régulièrement, que les couleurs ont été plutôt dans ces tons-là à ce moment-là. Donc oui, je fais toujours en même temps une dizaine de tableaux, plus je grave. Là, celle qu'on voit, il n'y a pas de gravure dedans. Hein, c'est uniquement de aquarelle acrylique sur papier. Ça fait 2 mètres par 1,50 m. Là, je ne j'avais pas collé du tout de gravure. Quand je me suis remis à peindre à l'huile, la façon de travailler que j'avais dans les papiers, moi, j'avais besoin que ça aille vite. Donc, d'une part, j'en faisais plein en même temps, mais il fallait que ça dépote, quoi. Donc quand quelque chose n'allait pas, je le découpais, je le recollais ailleurs. Pourquoi il fallait que ça dépote? Il y avait une espèce d'urgence comme ça. À ce moment-là, il y avait une espèce d'urgence personnelle. C'est pas quelqu'un qui vous demandait que ça dépote. Ah non. C'était ma façon de composer. En fait, il fallait qu'il y ait du répondant, quoi. D'accord. Ok, la question était un peu perverse, c'était pour parler un peu du marché de l'art. Oui, j'ai bien compris là du coup. Quel lien d'ailleurs avez-vous avec les musées et avec les marchands? En triangle ou l'un après l'autre? Non, l'un après l'autre. D'accord, ouais, avec les musées, c'est une chose qui est très très agréable pour moi parce que j'ai la chance d'avoir eu beaucoup d'expositions de musées et beaucoup d'expositions personnelles en musée. Même en France? Alors, c'est arrivé tardivement en France, mais du coup, maintenant, ça se fait. Mes premières expos de musée, c'était… non, d'ailleurs, je vais dire une bêtise. Ma toute première exposition, vraiment importante, c'était en 2004 au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, et c'est Fabrice Agot qui m'avait invité. Et oui. C'était ma toute première expo, et de là j'ai trouvé mes galeries, et de là j'ai pu du coup être autonome financièrement, et je suis parti retourner vivre en Allemagne, à Berlin, et ensuite j'ai eu des expositions dans des musées allemands et dans des musées suisses alémaniques à Saint-Gall et dans plein de centres d'art suisses, plutôt alémaniques. Et donc, c'est tout resté dans le monde germanique comme ça. Et donc, le musée de Sarrebruck, c'était, j'avais, je ne sais plus, je crois qu'il y avait 2000 mètres carrés ou quelque chose comme ça. Saint-Gall, c'était aussi, chaque fois, des très grands espaces. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'était les Sables d'Olonne. Donc, c'est mon retour en France, en fait. Donc, en plus, dans les musées suisses, allemands, c'est quand même extraordinaire. Vous êtes traité comme un roi, quoi. Il y a des honoraires automatiquement. Il n'est pas question de ne pas vous donner d'honoraires. Ils ont été acheteurs? Bien sûr, à chaque fois, ils achètent. Le musée de Sarrebruck a fait quand même un très gros achat. Il a acheté trois… il avait acheté d'abord… ils avaient découvert mon travail à la foire de Cologne, chez mon galeriste luxembourgeois. Et ils avaient acheté la peinture qu'on a vue là, avec le singe suspendu, que vous avez dit être très espagnol. Donc, ils ont acheté ça, c'est entré dans leur collection. Puis, du coup, ils se sont mis à suivre le travail et ils m'ont proposé l'exposition.
Et dans l'exposition, il y avait tout un ensemble de grandes peintures, comme celle que vous voyez là, par exemple. Celle-ci fait 4,50 m par 3,30 m. C'était vraiment des très grands formats à l'aquarelle. Celle qui est à droite, elle est un peu plus petite. Elle fait 4,10 m par 2,68 m. J'ai toujours les mêmes formats, c'est pour ça que je sais, hein, au détail. Et donc, ils ont acheté trois formats comme ça, plus une grande sculpture. Ah oui, c'est bien. Ils m'ont invité d'abord dans une expo de groupe. Ils ont produit une sculpture que j'ai faite sur place. Ils l'ont achetée. Ensuite, le conservateur m'a invité à une autre exposition à Lucerne, dans un centre d'art. Il y avait un très grand format aussi, 4,10 m, qu'il a acheté pour le musée. Et là-dessus, il a dit, maintenant, j'aimerais qu'on fasse une expo personnelle. Dans l'expo personnelle, il a encore acheté un ensemble. Plus lui-même, en tant que privé, il m'a acheté 25 œuvres. Wow. Les musées français ont été aussi généreux. Alors, les musées français, ce qui revient toujours, c'est qu'ils ont des gros problèmes de budget. Donc, j'ai quand même eu les amis du Centre Pompidou qui ont acheté un très grand papier également. Celui qui est à l'écran, là, Roots, il a été acheté par le FNAC. Ensuite, le musée des Sables d'Olonne, ils ont acheté un papier de 2 mètres par 1 m 50, mais c'est un musée qui est très peu fortuné. Donc, ils font avec ce qu'ils ont, quoi. Mm-hmm. Et puis, là, dernièrement, j'ai exposé… Pas que j'en oublie. Il y a eu la Fondation MAG. Il y a eu la Fondation MAG, mais c'est je ne sais pas. En tout cas, ils m'ont rien acheté à moi. Ouais. Et puis, il y a eu ensuite le musée de Saint-Étienne qui a acheté un tableau et j'en ai offert un. Parce que Saint-Étienne étant quand même la ville où j'ai découvert l'art, où j'ai travaillé pour ce musée en tant que stagiaire, j'y ai appris des tas de choses. Et puis, je revenais dans ma ville, quoi. J'ai toujours plein d'amis là-bas. J'adore aller à Saint-Étienne. Donc, comme ils m'ont acheté un tableau, en plus de me faire une expo solo, je leur ai offert un tableau en plus pour les remercier de tout ce que ce musée m'a apporté. Et est-ce qu'Ergot a un projet maintenant au musée d'art moderne de la ville de Paris ? Non. Et Fabrice, on s'est vu là, dans mon exposition chez In Situ. On ne s'était pas parlé depuis très longtemps. On a eu une discussion comme on les aime, là. Et à la fin, il m'a dit, Fabrice m'a expliqué pourquoi il avait un peu décroché pendant quelques années. Et puis il m'a dit, maintenant, vu ce que je vois, je suis très content. Donc, qu'est-ce qu'il vous reprochait ? Justement, le côté très germanique de mon travail qui l'agaçait. Et il me rapprochait d'artistes allemands qu'il n'appréciait pas. Donc, je ne vais pas dire les noms. Il me reprochait ça. Et alors, du coup, vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question, qui était le lien avec les marchands. Eh bien, j'ai… Adrien, tu changes de ton. Hein. Pardon, je dis à Adrien… Avec Adrien, on commence tout de suite. Nous, on commence une aventure. Voilà. On est encore au stage du flirt. Même si on a la chance, et j'ai la chance d'être dans l'exposition là, on a la chance d'avoir une sublime exposition à Londres qu'on n'a pas pu montrer beaucoup malheureusement, mais qui est accrochée. Et est-ce que ce caractère très allemand de l'œuvre de Deroubet peut plaire ou peut au contraire déplaire à une clientèle anglaise? Alors, je vais être même plus large. Donc, nous, avec Damien, tu me corriges si tu penses que c'est nécessaire, mais on s'écoute et on se regarde depuis assez longtemps. L'idée, c'était au début de faire quelque chose en Chine. Comme tu sais, Guy, j'ai des galeries à Pékin et à Hangzhou. C'est vrai que les services culturels des ambassades allemandes ont fait un travail fabuleux en matière de diffusion des idées allemandes et de la peinture allemande. Et effectivement, je pensais que le travail de Damien plairait beaucoup aux Chinois parce que ce travail un peu de fond qu'ont fait les autorités allemandes en Allemagne, en Chine, il y a une vraie demande une vraie question, une vraie interrogation sur l'art allemand ou d'inspiration allemande. Et d'ailleurs, la communication qu'on a faite sur l'exposition de Damien à Londres, en Chine, a reçu beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que
On a des moyens aujourd'hui de comptabiliser le nombre de fois qu'ont été vus des articles ou lus des articles. Et on a un taux de lecture pour les articles sur Damien absolument hallucinant. Et donc Londres, tu ne m'as pas répondu pour Londres ? Et alors, pour le moment à Londres, bah, encore une fois, c'est encore très… on n'en sait rien parce que la galerie a été fermée jusqu'à la semaine dernière. Aujourd'hui, on ne peut recevoir que par rendez-vous. On a de l'intérêt, pas forcément de la part d'Anglais, parce que les Anglais sont plus traditionnels dans leur choix artistique, mais de la communauté internationale qui habite Londres, oui. D'accord. Donc, ce défaut d'être trop allemand, formulé par notre directeur du Musée d'Art Moderne français, n'est pas du tout monnaie courante chez vous. Non. Mais voilà, personnellement, je trouve la peinture de Damien assez aussi teintée, sans mauvais jeu de mots, de culture allemande, ou en tout cas d'imagerie allemande. Et je suis pas suffisamment connaisseur Fabrice pour challenger ça. Et alors, si on peut revenir sur le côté technique avec Damien, je voudrais reparler, moi, des gravures. Parce qu'il y a une chose que j'adore vraiment dans le travail de Damien de Roubaix, ce sont ces gravures sur bois. Moi, pour moi, la gravure, c'est la gravure sur bois que j'aime le plus. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'est il y a 2 ans, je crois, à la FIAC, l'immense mur gravé que tu avais fait et sur lequel étaient présentées des œuvres, comme si les œuvres étaient mises en abîme sur un grand décor, un mur qui reprenait encore un élément. Ça vient d'où, cette idée ? Alors, là, on va partir un peu loin. D'abord, la gravure. Alors, d'abord, la gravure. J'en ai fait, avant d'entrer aux Beaux-Arts, j'ai commencé avec ça. Ensuite, quand j'ai commencé à peindre, il faut bien dire ce qu'il y a en France, la peinture, c'était quand même pas très bien vu, surtout à Paris. Donc, avec en plus que je faisais une peinture figurative, expressive, etc., quand je suis arrivé à Paris, c'était pas évident. Donc, quand je disais que j'étais peintre et qu'on commençait à se pincer le nez, je disais je peins à l'aquarelle comme les vieux ou comme les peintres du dimanche. Et puis, j'attendais de voir la réaction, quoi. Donc, parce que j'utilisais effectivement cette peinture qui est considérée comme peinture pour les couchers de soleil ou pour les jolis petits paysages ou les petits bouquets de fleurs sympathiques et tout. J'utilisais pour peindre des choses un peu dures, quoi, carrément même. Voilà, et puis au bout d'un moment, les gens s'habituent à tout, en fait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais utiliser maintenant qui pourrait les énerver à nouveau. Donc, et je me suis dit, tiens... Parmi mes outils de gravure, il y en a un qui est vraiment pas du bon goût français, c'est la gravure sur bois, parce que ça fait référence à l'expressionnisme allemand, donc oui. C'est quand même ce qui gratte un peu, quoi. Donc là, c'était vraiment par provoque, je me suis mis à graver le bois. Et puis à Berlin, j'en ai vu de plus en plus. Et puis j'ai eu des opportunités de travailler avec des grands ateliers qui ont des très grandes presses, qui bossent avec des super artistes. Donc, j'ai pu me faire plaisir, quoi, à commencer à faire des grands formats. Et en 2009, lorsque j'ai été nominé pour le prix Marcel Duchamp, comme il fallait quand même, c'était un peu quand même dit entre les lignes qu'il fallait quand même un petit peu surprendre, au lieu de leur mettre de la peinture, je me suis dit, je vais leur mettre de la gravure. Et je venais de voir au Kupferstich Kabinett à Berlin, le musée de gravure antique, quoi, hein, avec les gravures et les dessins, et les gravures surtout. J'avais vu l'Arc de Triomphe de Maximilien par Albrecht Dürer. Et donc, c'est la plus grande gravure qui a été faite. C'est un truc immense. Donc, c'est un arc de triomphe composé de, je crois, 57 plaques planches de bois qui sont… C'est sublime, quoi. Chaque planche est fourmi de détails. Chaque planche est un morceau de bravoure, quoi. Et je suis rentré, je me suis dit, pour le prix Marcel Duchamp, je vais leur faire une très grande gravure. Donc… Je suis allé acheter du bois, j'ai réuni 3 panneaux qui me donnaient un format de 2,45 m par 3,60 m et quelques. Et j'ai commencé à graver tout ça.
Et puis, je l'ai imprimé. Et puis, ben, c'est tellement grand qu'il n'y a pas de presse pour ça. Donc, le résultat était catastrophique. Mais je me lamentais en regardant ce truc tout gris. Et lorsque un collectionneur avait pris rendez-vous et passé à l'atelier, et donc je lui montrais ce que je faisais en ce moment. Au bout d'un moment, du coup, je lui montre cette chose qui prenait quand même de la place et qui était ratée. Et je lui explique pourquoi c'est raté. Et puis les panneaux, je les avais redressés contre le mur. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites de ça, Damien? Alors je lui dis, bah ça, c'est pour la cheminée, quoi. Ça sert à rien, quoi. S'il vous plaît, réfléchissez, etc. Bon, puis le lendemain, des copains passent et eux, ils ne vont même pas regarder ce qu'il y avait au sol. Ils m'ont dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est hyper bien. Donc, j'ai perdu ça. Damien? On n'entend plus le son. Non, on n'entend plus Damien. Mais je crois que... Bah, ça fait longtemps que je parle tout seul. Non, j'avais non, plus non, personne tout à coup, en fait. J'avais plus personne à l'écran. Ah oui. Alors, je ne sais pas où j'en étais. Là, c'est vous, au moment où le collectionneur voulait t'empêcher de mettre les grands panneaux. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et puis, le lendemain, donc, des copains passaient. Ils n'ont même pas regardé au sol. Ils ont dit, oh, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ces trucs que tu es en train de faire? Du coup, quand ils sont partis, j'ai vissé les panneaux au mur. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ben de par le format, tout à coup, ça avait changé de statut. Parce que les plaques gravées, c'est toujours des choses magnifiques, mais ce n'est pas l'œuvre. Ce n'est pas ça, l'œuvre. Ça, c'est que l'outil, quoi. Ouais. Mais là, de par le format, ça avait changé d'état. Et comme il y avait des mots dessus, les mots pour l'imprimerie, on les grave à l'envers. Et c'était un cavalier de l'Apocalypse qui bondissait. Et j'ai décidé de refaire l'un des deux panneaux, ce qui fait que les mots, tout à coup, World Downfall à nouveau, semblaient être ouverts par le cavalier. D'un côté, le mot était à l'envers, de l'autre côté, à l'endroit. Et voilà, et tout à coup, j'avais une nouvelle sorte d'œuvre. Donc, j'ai présenté ça au prix Marcel Duchamp. Et puis, j'ai commencé à en faire toute une série, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas faire un seul truc, il faut que j'en fasse plein en même temps pour éprouver ça, quoi. Et puis ça continue, quoi. Et quand alors pour ce qu'on parlait des rapports galeries, il y a 5-6 ans peut-être, Fabienne Leclerc faisait un stand à l'Armory Show à New York, et elle montrait les artistes africains avec qui elle travaille. Elle m'a demandé si je pourrais faire quelque chose pour les lier, en fait. Donc, il y avait Otobon, Mpanga, Zingpe et j'ai un trou pour le troisième. Et donc, j'ai fait en fait tout le stand en panneau de bois gravé avec des interstices entièrement noirs sur lesquels on pouvait accrocher des œuvres. C'était super brut comme ça. Ça dépotait, ça a été hyper remarqué, donc j'étais vachement content. Notamment le conservateur du Hammer Museum, plein de gens sont venus, quoi, plusieurs fois, ont demandé des dossiers et tout. Donc maintenant, c'est une graine plantée, on va dire. Et puis voilà, et puis du coup, ça m'a donné envie de faire des environnements. J'ai eu l'exposition au Musée des Sables d'Olonne. J'ai voulu boucher toutes les fenêtres, donc j'ai fait un grand mur que j'ai gravé et sur lequel je venais s'accrocher des choses. Et puis j'ai continué ça aussi à la Fondation MAG. Et puis donc à la FIAC récemment, quoi. Mais j'étais pas très satisfait, à vrai dire, parce que en fait, sur le stand à côté, il y avait Marcel Van Eden, qui est un artiste que j'adore, un super dessinateur. Et en fait, Fabienne a demandé aux artistes de réfléchir au stand. Marcel a fait un tirage d'un de ses dessins de la taille de son du mur sur lequel il a accroché ses dessins. Et puis du coup, en fait, le stand, ça devenait, je crois qu'il y avait un malentendu, les gens ont pensé que c'était de la déco, en fait, que pour accrocher mes petits tableaux, j'avais fait un fond décoratif. Alors, c'était pas du tout ça, c'était vraiment, c'est l'œuvre. Et à côté, accroché dans le prolongement, je mettais en plus des tableaux dessus, quoi. Damien et Guy, pardon de vous interrompre. Je me disais que ça serait peut-être pas mal à ce stade, parce que bon, c'est vrai que voilà, on apprend beaucoup de choses très intéressantes, mais ça serait bien aussi peut-être de que Adrien montre l'exposition, comme ça on pourrait peut-être faire un tour. Ah,
Et voilà, et Guy continue à te poser des questions. Comme ça, ça devient, voilà, c'est plus vivant. Parce que... Ça sera une visite guidée, c'est ça que vous voulez, qu'on fasse les guides. Voilà, c'était ça l'idée. Mais là, pour l'instant, je suis toujours dans ma cabine de cockpit. Je suis en train de launch. Hein. Alors, Adrien, c'est toi qui fais le tour de la caméra. Alors, Damien, tu m'entends ? Oui, oui. Tu veux que... Tu n'as même pas vu ta propre exposition, donc... est-ce que tu veux que je commence? Tu veux que je commence par quel tableau? Est-ce que tu veux parler? Je vais peut-être mettre la caméra à l'envers pour que tu puisses voir. Oui, bah, commençons par celui qui est sur le carton, l'imitation, par exemple. D'accord. Alors, je vais changer. Tableau de 2 mètres par 1,50 m, on va commencer par cela. Je change. Voilà. Ah oui. Parfait. Vas-y, Damien. Donc ça, oui, c'est un tableau. Vas-y, Damien. Donc, alors d'abord, pour ce qui est de l'exposition, je l'ai faite pendant le confinement. Donc, j'étais très surpris d'arriver à faire tout ça parce que je pouvais aller à l'atelier qu'un jour sur deux ou trois. Et j'ai quand même réussi à faire toute l'expo. Et ce tableau que j'aime particulièrement, ça se trouvait sur l'invitation, c'est une plante que j'ai trouvée dans un livre allemand il y a des années de ça. J'avais acheté un livre de gravure ancienne allemande qui s'appelle Wunder der Natur, les merveilles de la nature. Et il y avait cette plante qui est porteuse de tout un tas de graines que j'ai gravée et collée dans plusieurs petits tableaux. Et là, je l'ai peinte. Ça, c'est peint en l'occurrence. Ça fait 2 mètres de haut. Il y a des yeux qui, eux, sont gravés, qui tombent comme des graines, gravés et imprimés. J'imprime sur du papier Japon, qui est un papier très fin et très robuste à la fois. Donc, ensuite, je les colle, c'est à peine perceptible. Voilà. Et puis, je l'ai peint au-dessus en très grand, l'œil également. Et ça partait aussi d'une peinture de la Renaissance que j'ai vu, et je ne sais absolument pas qui a peint ça, mais c'est une femme qui tient entre deux doigts une fleur une plante donc, qui a deux yeux comme ça. Deux yeux, ah oui, d'accord. C'est extrêmement beau. Ouais. Donc voilà, j'ai une version. J'ai pas eu le temps de poser les... Pardon, j'ai pas eu le temps de comme poser en bas, les... comme ça a toujours à voir un peu avec le jardin d'Éden, ces choses-là, mais un jardin d'Éden. Pour renverser, il y a un serpent en bas qui s'échappe. J'ai pas eu le temps de... Ah, pardon.